الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مشايخ غسار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tout d'abord, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir facilité ce déplacement et cette rencontre. Puis, je remercie également les responsables de la mosquée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense, jazakumullah khair, pour l'invitation et les efforts qu'ils fournissent pour faire avancer la Ummah à leur échelle. Tout comme, je vous remercie de votre déplacement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de ce moment un moment béni, un moment spirituel fort, un moment fraternel. Et je demande à Allah tabaraka ta'ala de me faciliter d'être court et concis et d'aller droit au but. Ahbab al-Kiram, notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabaraka ta'ala est la réalité de ce bas monde. La réalité de ce bas monde. C'est un rappel que vous avez sûrement déjà entendu plusieurs fois, mais comme vous le savez, la beauté de cette religion, elle est dans sa répétition. Et l'être humain a besoin de rappel. D'ailleurs, Allah tabaraka ta'ala nous dit et rappelle car le rappel profite aux croyants, n'est-ce pas? Donc voyons ensemble ce que vaut réellement cette vie d'ici-bas. Quelle est donc la réalité de ce bas monde? On va commencer par un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Un hadith, c'est le hadith de Abu Kabsha, radiyallahu anhu, qui rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que les biens de ce monde, de ce bas monde, appartiennent à quatre personnes. C'est-à-dire qu'en fait, dans la vie d'ici-bas, il y a quatre catégories de personnes. J'aimerais, Inch'Allah, que vous ouvrez vos oreilles et que vous soyez très attentifs. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que les biens de ce bas monde appartiennent à quatre individus, quatre types de personnes. Le premier, c'est quelqu'un à qui Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a accordé la fortune, la richesse et lui a donné la science religieuse. Donc, c'est quelqu'un qui a réuni deux grands bienfaits. Il a l'argent, mais il a en même temps la science religieuse. Il connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Il craint Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là occupe la meilleure position. C'est le numéro un. Sur les quatre types de personnes qu'on va voir ensemble, celui-là, c'est le numéro un, c'est le best. Il est dans la religion, il a de l'argent. Vous imaginez? Donc, il investit dans les nobles causes. Il va dépenser pour les mosquées, construction des hôpitaux, pour parrainer des orphelins, etc., etc., etc. D'accord? Ça, c'est quelqu'un qui occupe la meilleure position auprès d'Allah. Deuxième catégorie de personnes, et j'aimerais que tu essayes de t'identifier, deuxième catégorie de personnes, c'est une personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la science religieuse, donc lui, il connaît Allah subhanahu wa ta'ala, il craint Allah, il pratique la religion, mais il n'a pas l'argent. Il n'a pas la fortune. Et il dit, si seulement j'étais comme le numéro un, j'aurais fait comme lui. Et bien, qu'est-ce qu'il nous dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? C'est très important. Il dit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il est alors jugé sur son intention, lui et le précédent sont égaux dans le salaire. Subhanallah. Par la simple niya, intention de faire le bien, comme le numéro 1, ils ont la même récompense. Donc jusque-là, tu fais partie du numéro 1 ou numéro 2? Ou, qu'Allah nous en préserve, le numéro 3 ou le numéro 4? Numéro 3. C'est quelqu'un à qui Allah a donné la fortune, mais il ne lui a pas donné la science. C'est quelqu'un qui a énormément d'argent, mais il est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est loin d'Allah. Alors imagine-toi quelqu'un qui est loin d'Allah et qui a beaucoup d'argent. Donc soirée, frime, orgueil, grosse voiture, voyage pour faire le haram, hein, etc., etc., etc. Lui, il n'a pas de limite, lui. Tout ce qu'il veut, il l'a. Pourquoi? Parce que monsieur, il a de l'argent. Il dépense ça donc dans les pire des causes. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui-là occupe la position la plus mauvaise. Et quatrième type de personne, je pense que vous devinez un petit peu, c'est qui? C'est quelqu'un qui n'a pas d'argent et qui est loin d'Allah. Et miskin, au lieu d'essayer d'être comme le numéro 1, non, lui, le rêve de sa vie, c'est de vivre un petit peu comme le numéro 3. Qu'est-ce que ça serait de la bombe quand même? Faire des soirées, tout ça, boire, hein, fumer. Toutes les femmes que tu veux, tu les aimes.
avec l'argent, t'achètes tout. Les vêtements, je rentre dans n'importe quelle boutique, j'achète ce que je veux. Je pose une liasse comme ça, tout le monde me respecte. Lui, miskin, eh ben, son souhait, c'est de devenir comme le numéro 3. C'est-à-dire, il n'a pas d'argent. D'accord ? Il est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le plus grand kiff de sa vie, ça serait de vivre comme le numéro 3. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il est alors jugé sur son intention et son salaire est le même que celui du précédent. Allahu Akbar. Tu fais partie de quelle catégorie, mon frère, ainsi que ma soeur ? Vous savez, les musulmans et les musulmanes aujourd'hui se sont énormément attachés à la dunya. Énormément attachés. Il y a tellement de portes qui se sont ouvertes à nous avec les nouvelles technologies, hein, les vêtements, tout ce qui est swag là, chez la jeunesse, et tout ce qui est bling bling, poudre aux yeux, etc. Il y en a tellement aujourd'hui qu'aujourd'hui, ben, on est devenus les plus grands consommateurs de vêtements. N'est-ce pas ? C'est nous qui... nous dosons le plus de parfums, les montres, les téléphones portables, les iPads, les derniers cris des ordi, les voitures, les scouts, les machins, les bécanes. Tu vois tout le temps le musulman être au top dans tout ça. On n'est pas en train de dire que c'est interdit de bien s'habiller. Et bien sûr, on va bien recadrer le discours, Inch'Allah. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est assez triste de voir que la communauté musulmane consomme trop. À croire que la seule vie qu'elle va vivre, c'est celle d'ici-bas. En oubliant qu'Allah tabaraka ta'ala nous a créés pour un but noble. En oubliant qu'Allah tabaraka ta'ala dit, pensez-vous que nous vous avons créés sans but ? Vous oubliez que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés pour un but bien précis, c'est de l'adorer, subhanahu wa ta'ala. C'est une terre d'épreuves où on est censé faire de notre mieux pour obtenir notre diplôme après la mort. Le prophète, il dit, il n'y a de vraie vie que celle de l'au-delà. Donc cette vie-là, en fait, ce n'est qu'une étape pour la grande et éternelle vie. La vie après la mort. Et nous, en tant que croyants, c'est comme ça qu'on conçoit les choses. On le sait qu'après la mort, ce n'est pas la fin, mais le début. Le début d'une grande vie. Et il y en a parmi nous qui vont être super intelligents et qui vont donc mettre le paquet sur les bonnes actions sans oublier leur part de la vie d'ici-bas, d'accord ? C'est-à-dire que ça ne va pas les empêcher de sortir, de s'amuser, etc., etc. Mais ils auront tout le temps face à leurs yeux la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de s'éloigner de la colère d'Allah. Et il y en a d'autres, malheureusement, qui vont être pris par une vague monstrueuse qui fait oublier Allah. Et aujourd'hui, malheureusement, la dunya, pour beaucoup d'entre nous, est devenue une anesthésie générale. Une anesthésie générale où les gens ne pensent qu'à aujourd'hui et qu'à demain. Et pas, ils ne voient pas plus loin que cela. C'est-à-dire que l'objectif de sa vie, c'est de réussir. Réussir, c'est avoir un grand diplôme. Très bien, pas de souci. Puis après le grand diplôme, avoir beaucoup d'argent. Ok, pas de souci. Puis après, bah, c'est être propriétaire. Parce que tout le monde m'a fait comprendre que tant que tu n'as pas un 100 mètres carrés qui t'appartient, t'es naze. Il te faut un 100 mètres carrés. Avec un jardin, tu peux faire le barbecue en été, puis tes enfants, ils ont les toboggans et quelques petits jeux à l'extérieur. Et puis, c'est comme ça. Nous, on conçoit que la vie kiffante, une vie réussie, c'est quelqu'un qui a percé, socialement parlant, quelqu'un qui a un bel appart ou qui a une villa, et puis qui a une belle voiture, et qui a des femmes et des enfants épanouis. Voilà. Là, mission accomplie, j'ai fait ce qu'il fallait sur Terre. Pas du tout. Absolument pas. D'où l'importance de ce thème. D'où l'importance de ce thème que tu comprennes la réalité de ce bas monde, mon frère, ainsi que toi, ma sœur. Alors, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, j'ai deux questions à vous poser. La première, et je veux une participation. Que ferais-tu, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, si tu mourrais demain ? Que ferais-tu si tu mourrais demain ? Tu sais que demain, au Fajr, après Salat al-Fajr, tu ne fais plus partie des habitants de cette vie. Taïb, là il est quelle heure là ? 16h, n'est-ce pas ? Là actuellement il est 16h. Donc il reste combien d'heures à peu près ? Allez, moins de 24h. Taïb, dans ce laps de temps qui te reste, si tu sais que tu vas mourir demain au moment du Fajr, dis-moi, billahi alayk, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, qu'est-ce que tu vas faire pendant le temps qui te reste ? Je vous écoute. Ibadat, donc des adorations, d'accord ? Oui ?
Tauba, repentir. Doa, des invocations. Des dons, très bien. Mais encore. Oui. Hajj, Hajj, ça va être difficile. Donc, vous êtes d'accord avec moi que le premier va dire quoi ? Moi, je vais passer ma nuit à demander pardon à Allah. Ok ? Je vais réparer tout ce que j'ai cassé avec mon entourage, que ce soit des amis ou les proches ou la famille. Je vais tout faire pour me réconcilier, hein, salat al-rahim, avec les membres de ma famille, à qui je ne parle pas pour de l'argent, pour des trucs futiles, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas passer ta nuit à prier. Tu as, d'autres vont dire, moi je vais passer ma nuit à lire le Coran jusqu'à ce que l'ange de la mort vienne prendre mon âme. Comme ça, la dernière action de ma vie, ce soit la lecture du Coran. Et un autre, il va dire, je vais réparer mes injustices. Et l'autre qui dit, quant à moi, je vais donner tout mon argent à l'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on est bien d'accord pour dire que, avec certitude, si tu sais que tu vas mourir demain, tu ne vas plus donner d'importance à cette vie d'ici-bas. Oui ou non ? C'est vrai ? Taïe. Deuxième question. Quelle serait ta réaction si tu es chez toi sur ton lit et que l'ange de la mort vient prendre ton âme accompagné de plusieurs anges ? Eh, ce jour-là, il va arriver. Que tu le veuilles ou non, tu ne pourras pas le fuir. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. Cette mort que vous essayez d'échapper va très certainement vous rencontrer. T'as beau faire le beau, tu peux courir à droite, à gauche, tu peux oublier Allah comme tu veux, la mort va venir sonner à ta porte, sans te prévenir. Mais tu es d'accord avec moi que cet instant-là, c'est un instant qui est difficile. Quand on y pense un petit peu, tu dis, si l'ange de la mort il vient prendre mon âme, moi je ne suis pas prêt. Moi personnellement, je vous le dis, wallah, je ne suis pas prêt. Je ne sais pas, on va rencontrer Allah, on va lui dire quoi ? Qu'est-ce qui mérite qu'on soit super content de nous ? Qu'est-ce qu'on a fait dans notre vie pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala ? Enfin, je pense que notre réaction, si l'ange de la mort venait et qu'il nous donnait le choix de juste de parler, parce qu'à ce moment-là, tu ne peux pas négocier avec lui. Mais si simplement il dit quel est ton souhait, je pense que à l'unanimité, votre souhait, ça serait d'avoir un laps de temps supplémentaire. Repasse après. Donne-moi juste une heure. Je vais mettre le paquet. En une heure, je répare tout. En une heure, je fais sadaqa. En une heure, je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala comme je ne l'ai jamais fait. Je pleure, je me repens. Je vais faire saigner mon cœur. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Donc, on est bien d'accord, mes frères, ainsi que vous, mes sœurs, pour dire que chaque croyant et chaque croyante, s'il sait que dans un laps de temps qui est très court, l'ange de la mort va venir prendre son âme, ou que demain il va mourir, on est d'accord qu'on ne va plus donner une grande valeur à cette vie. C'est vrai ou c'est pas vrai ? D'ailleurs, au moment de la mort, Allah tabaraka ta'ala nous dit qu'il y a des personnes qui vont demander une seconde faveur à Allah pour rester en vie. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتَ. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, jusqu'à ce que la mort vient à l'un d'eux et qu'il dit, Seigneur, fais-moi revenir sur terre afin que j'œuvre dans ce que j'ai délaissé. Et Allah, j'ai pas assuré. Laisse-moi une autre occasion. Mais là, la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala sera non. كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا. Non, c'est une parole qu'il prononce, mais il finira dans le barzakh, dans la première étape du jour du jugement qui est la tombe. La tombe. Mon frère, ainsi que toi, ma sœur, je reprends donc ma question. Si tu sais que tu meurs demain, que feras-tu pendant le temps qui te reste ? Est-ce qu'à ce moment-là, la dunya, la vie d'ici-bas, aura énormément de valeur à tes yeux comme elle en a actuellement ? Non. Bah mon frère, ainsi que toi, ma sœur, le vrai musulman est celui qui considère qu'il peut mourir à n'importe quel moment. Le vrai musulman, la vraie musulmane, sont ceux qui considèrent qu'ils peuvent mourir à n'importe quel moment. Et donc, ils ne s'attachent pas, comme on le voit aujourd'hui, comme beaucoup de gens, à la dunya.
Et dans le hadith de Abdullah ibn Omar qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis sa main sur l'épaule de Abdullah ibn Omar et il lui a dit soit kun fi dunya, vous connaissez le hadith, ka annaka gharib aw abid sabil, soit dans cette vie d'ici-bas comme un voyageur ou plutôt quelqu'un de passage. Quelqu'un de passage qui passe à Saint-Étienne juste un jour, il va pas s'attacher à Saint-Étienne même si vous avez une belle ville. OK? Tout comme vous quand vous allez à Marseille ou vous montez sur Paris, vous restez là-bas quoi quelques heures, vous n'allez pas vous y attacher. Pourquoi ? Vous savez que vous êtes là pour un court moment. Eh bien, l'intelligent, le clairvoyant, celui qui a bien compris sa religion, il sait que la vie d'ici-bas, c'est un moment qui est éphémère et c'est court. On est là de passage. De passage. L'intelligent parmi nous, c'est celui qui va utiliser ce qu'Allah lui a donné comme capacité pour faire le bien. Pour faire le bien. Et il aura ainsi compris que cette vie, c'est un immense champ. Et que pendant qu'il est en vie, il doit planter énormément de graines. Il doit semer des graines pour qu'après la mort, il puisse récolter le fruit de son travail en Al-Qiyama. Donc c'est un champ. Et certains parmi les pieux prédécesseurs voyaient cette vie comme un pont. C'est un pont. C'est un pont. Son point de départ, c'est ta naissance. Sa fin, c'est le paradis ou l'enfer. Donc, quand tu vas passer sur ce pont, eh ben, ne te concentre pas trop sur ce pont. Concentre-toi sur ce qu'il y a après le pont. C'est une étape. C'est une étape. Et malheureusement, il y en a beaucoup, énormément, qui sont aveuglés par l'appât du gain, par la notoriété, par l'argent. Combien on en a aujourd'hui dans notre communauté qui ne prient pas, qui bâclent leur prière. Pourquoi ? Pour le travail, pour l'argent. Il ne prie pas la Jumu'ah. Je ne peux pas, il travaille. Les cinq prières, c'est même plus, il les rattrape. Déjà, les rattraper, déjà, c'est un péché. Tu devrais les faire à l'heure. Je ne peux pas, il. Je ne peux pas. En fait, ce qu'il veut, lui, c'est une religion sur mesure. Là où ça lui plaît, c'est comme un menu à la carte. Ça, j'aime bien, ça, j'aime pas. Ça, c'est plutôt bon. Ça, bof. Non, c'est... ça n'a pas trop un bon goût. C'est pas comme ça, l'islam. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas comme ça qu'on doit se comporter avec. Allah Azza wa Jalla, il a dit Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa. Ô vous qui avez cru, entrez entièrement dans l'islam. Il n'y a pas de sélection à faire. Le bien, il est dans ce qu'Allah t'a demandé de faire. Et le mal, tout le mal, il est dans ce qu'Allah a interdit. Et donc finalement, Allah tabaraka ta'ala ne nous a pas révélé cette religion pour qu'on vive dans la gêne. Au contraire, Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana li tashqa. Allah subhanahu wa ta'ala dit Taha, nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu vives dans la gêne. L'objectif de cette religion, c'est que tu goûtes au premier bonheur avant de goûter au second. Le premier, c'est celui de la foi. Combien de personnes pensent que le bonheur, il est dans l'argent et ils se suicident? Ils sont chez des psys. Ils ont des problèmes comme pas possible. Ils sont ultra tristes. Leur vie, c'est un enfer. Pourquoi? Parce que ces derniers se sont reposés sur une seule chose, sur le matériel. Mais le matériel, ça procure que des petits instants de bonheur. Le vrai bonheur, tu veux l'avoir, c'est avec l'iman. C'est la foi. Quand la foi, elle pénètre ton cœur, mon frère, ainsi que ton ma soeur, Wallahi l'azim, tu vois le monde différemment. Tu es quelqu'un de positif. Tu es quelqu'un d'actif. Tu es quelqu'un, tu es un plus. Tu es un élément positif là où on te place. Comme dans le Coran, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. T'es béni là où on te place. Là où on te place, t'es quelqu'un qui fait du bien, du khir. Et c'est dans ça que tu te procures ton bonheur. En étant au service des gens, en faisant le bien, en répandant le bien autour de toi. En faisant de plus en plus d'adoration, en te rapprochant d'Allah. Mais quand tu t'écartes d'Allah et que tu cherches le bonheur à travers les femmes ou les femmes qui cherchent le bonheur à travers un petit copain ou un ami qu'on va avoir sur Snap, hein, ça vous parle tout ça, hein, sur Insta, sur Facebook, etc. Puis après on va se voir et on va dîner ensemble et on va jouer les beaux et il va me dire des belles paroles et puis le soir avant de dormir il m'envoie des SMS avec des petits cœurs, etc. Tout ça c'est beau quand c'est dans le halal, mais quand c'est dans le haram, c'est un calvaire, c'est un cauchemar, c'est plein de péchés, c'est tu t'attires la colère d'Allah et il n'y a pas de bénédiction dans ces actions. Donc mon frère ainsi que toi ma soeur, le prophète sallam il a dit à Abdullah ibn Omar, sois dans ce bas monde comme un étranger ou comme quelqu'un de passage. D'accord ? Et Abdullah ibn Omar lui-même, qui a écouté ces paroles du prophète sallam, il disait, quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Et quand tu es au matin, n'attends pas le soir. C'est-à-dire, ne repousse jamais une bonne action à plus tard.
comme on le voit aujourd'hui. Le hijab, je le porterai plus tard. Puis de toutes les manières, c'est pas vraiment obligatoire, hein, parce qu'on a entendu à la télé que quelqu'un dit que pour le hijab, il y a ijma' dessus, il y a consensus dessus. Faut arrêter avec ces pseudo-imams là, à 2 francs 6 sous, moi je suis désolé, ça me fâche quand je vois des gens, ils viennent, ils parlent des fawabit, ils parlent des choses qui sont connues par l'ensemble de la communauté et qui sont des ijma'at, des consensus chez les savants. Ils disent tous que c'est obligatoire le hijab, et puis t'as quelqu'un qui débarque, qui vient de nulle part, et qui dit non mais en fait le Coran, le verset yudnin, ça veut pas vraiment dire ça, puis la sunna lui il la met de côté, et puis il interprète le Coran à sa manière. Donc mon frère ainsi que toi ma soeur, ne remets jamais une bonne action à demain. Tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu le hijab obligatoire, porte-le dès que possible. Tu sais que la prière elle est obligatoire, fais la prière dès que possible. Tu sais que maintenir les liens de parenté, c'est une obligation, maintiens-les. Même si les personnes de ta famille sont injustes, sont mauvaises, et ça malheureusement on en a souvent. On en a souvent autour de nous, mais nous pourquoi on fait le bien? On le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez mes frères ainsi que vous mes soeurs, quand on analyse le Coran, on voit qu'Allah tabaraka ta'ala, quand il parle de la vie d'ici-bas, il nous demande de marcher. Mais quand il nous parle de l'au-delà, il nous demande de nous précipiter. Et regardez les verbes qui sont utilisés et je vous appelle, Inch'Allah, à bien méditer sur ces versets. Allah tabaraka ta'ala, il dit « Huwa alladhi ja'ala lakum al-arda dhalula » N'est-ce pas ?« Famshu fi manakibiha » Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « C'est lui qui vous a soumis la terre. » Marchez, il n'a pas dit courez. Marchez donc ces grandes étendues. Pour ce qui est de la dunya, tu as des projets, tu es ambitieux, il n'y a pas de problème, marche, vas-y mollo. Ok ? Concernant l'au-delà, voyons un petit peu ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Ya ayyuhalladhina amanu, idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'a, fas'au. C'est pas famchou. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ô vous qui avez cru, quand on appelle à la salat du jour du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah. C'est-à-dire précipitez-vous. D'accord ? Allah tabaraka ta'ala dit aussi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal-ard u'iddat liman lil-muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala il dit précipitez-vous pour obtenir le pardon de votre Seigneur. Donc on voit que pour obtenir le pardon, pour avoir le paradis, là c'est pas famchou, marche. Non, les verbes qui sont utilisés, ils appellent à quoi ? À la précipitation. À prendre de la vitesse. Allah Azza wa Jalla il dit et précipitez-vous à obtenir le pardon de votre Seigneur et un jardin large comme les cieux et la terre préparé pour qui ? Préparé pour les pieux. Et les pieux, comme vous le savez, at-taqwa c'est quoi ? C'est faire al-ma'mur wa tark al-mahdhur, c'est faire ce qui est obligatoire et délaisser ce qui est interdit, n'est-ce pas ? C'est ça at-taqwa. Et en fait, un muttaqi, un pieux, une pieuse, c'est quelqu'un qui a réussi à se contrôler. C'est quelqu'un qui a un niveau de contrôle de sa personne qui est élevé. C'est quelqu'un qui va arriver à côté d'un péché, tout de suite il se contrôle, il s'arrête. Il voit des gens faire de la médisance, il se contrôle, il ne rentre pas dans la médisance et il blâme cette médisance. Il dit ça, c'est interdit. C'est quelque chose de très fort. D'ailleurs, quand on voit la description des muttaqin, Allah subhanahu wa ta'ala il dit alladhina yunfiquna fi sarra, la suite des versets, hein. Alladhina yunfiquna fi sarra wa ad-dharra wal kadhimin al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala il dit c'est ceux qui dépensent dans l'aisance et dans la difficulté. Dépenser dans l'aisance, c'est facile. Mais dépenser dans la difficulté, ça demande un grand contrôle de sa propre personne. C'est vrai ou pas ? Et puis, seconde caractéristique, bien sûr, il y en a plusieurs des caractéristiques des pieux, mais là, dans la suite de ce verset, il dit « Wal kadhimin al-ghayz » C'est ceux qui maîtrisent leur colère. Ne pas se mettre en colère, c'est tout simplement pas possible. C'est humain, ça fait partie de notre nature de se mettre en colère. Mais ce qu'il faut, c'est de se maîtriser quand on est en colère. Pourquoi ? Parce que c'est dans les moments de colère où il y a des bavures, des divorces, n'est-ce pas ? Des meurtres, et j'en passe. D'accord ? Donc, encore une fois, on voit que Al-Kadhimin Al-Ghayz, c'est ceux qui maîtrisent leur colère. Et ça, pareil, ça demande un contrôle de soi. Wal-Afin An-Nas, et qui pardonne à autrui. Pareil, pour pardonner, ça demande à réussir vraiment à éduquer son âme. N'est-ce pas ? À la dompter, c'est difficile. Wallahu yuhibbul muhsinin, et Allah aime les bienfaisants. Ensuite, on a d'autres versets où Allah subhanahu wa ta'ala il dit sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa janna. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur ainsi qu'un paradis. De même Allah subhanahu wa ta'ala il dit
وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ Que ceux qui convoitent le paradis entrent en compétition pour l'acquérir. La compétition pour le paradis, eh ben, il faut la connaître avec notre entourage, avec nos amis. C'est pas, on fait que des compétitions pour avoir la meilleure voiture, pour avoir le plus de fric, plus d'argent, pour faire les meilleurs voyages, manger les meilleurs plats, etc., etc. Allah subhanahu wa ta'ala, elle dit, Allah azza wa jalla dit aussi dans un autre verset, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ Fuyez donc vers Allah. Donc vous avez bien compris, mes frères, ainsi que vous, mes sœurs, que quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de la dunya, il a parlé en disant فَمْشُوا, marchez. Mais pour ce qui est de l'au-delà, vous avez vu tous les verbes سَارِعُوا hein? فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ سَابِقُوا Il nous demande de nous précipiter, nous demande de nous hâter. Et dans un hadith qui est rapporté par l'imam Abu Dawud, selon Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La lenteur est bonne dans toute chose, sauf pour les actes de l'au-delà. » Voilà, ça résume tout ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. La lenteur est bonne dans toute chose, sauf pour les actes de l'au-delà. Tu le sais, mon frère, que dans tel endroit, il y a un plan pour gagner des hasanat, fonce si tu en as la capacité. Ma sœur, tu sais que dans tel endroit, on a besoin de telle compétence et tu as cette compétence, fonce. Tu sais que dans tel endroit, il y a un malade à visiter, vas-y. Une prière sur un mort, salat janaza, vas-y. Tu sais qu'une personne a besoin, parce qu'elle ne maîtrise pas le français, de rédiger un courrier en français, et toi tu as une belle plume, aide. Et rappelle-toi que le prophète Hassan m'a dit, les personnes les plus aimées d'Allah sont celles qui sont le plus utiles aux autres. Sont celles qui sont le plus utiles aux autres. Donc mon frère, ainsi que toi ma sœur, investis-toi un maximum. Investis-toi un maximum et va vers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez entendu tout à l'heure le hadith de Jabir qui est rapporté par l'imam muslim où le prophète sallam il passe, il traverse un marché, il y avait plein de gens sur les côtés et le prophète sallam il dit en voyant un chevreau mort, un animal mort, il dit qui parmi vous veut ce chevreau pour un dirham? Et là ils l'ont dit on n'en veut pas même pour rien, il est mort, on va l'acheter pour un dirham, pourquoi? Déjà il serait en vie, on ne l'aurait pas pris parce qu'il a un défaut à l'oreille. Qu'en est-il de maintenant? Et là, le prophète Samy dit, est-ce que quelqu'un d'entre vous le veut? Ils ont dit non. Même gratuitement, on n'en veut pas. Il a un défaut à l'oreille. Et là, le prophète sallam a dit, par Allah, écoute attentivement, ce bas monde a pour Allah moins de valeur qu'en a pour vous ce chevreau. Par Allah, dit le prophète sallam, ce bas monde a pour Allah moins de valeur qu'en a pour vous ce chevreau. Donc mon frère, ainsi que toi, ma sœur, ne t'attache pas trop à la vie d'ici-bas. Et je ne suis pas en train de dire que tu n'as pas le droit de bien t'habiller. Non, le prophète me dit « Inna Allah jamil, yuhibbul jamal » Allah est beau et il aime la beauté. Habille-toi bien, d'accord? Mais rentre jamais dans l'excès ni dans l'orgueil. Ok? Ça, c'est, on va dire, un thermomètre. Si tu veux savoir si tu débordes, tu fais quelque chose de mal, regarde, est-ce que ce qui te pousse à mettre ce type de vêtements, c'est l'orgueil? À ce moment-là, délaisse ça. Est-ce que c'est de l'excès? T'achètes des vêtements qui sont excessivement chers, pareil. Et vous savez que la meilleure des choses, c'est d'être dans le juste milieu. Dans le juste milieu, dans toute chose. Et puis, vous, mes frères, ainsi que vous, mes sœurs, qui voyez autour de vous des gens changer de voiture tout le temps, s'habiller avec des meilleurs vêtements, avoir le dernier iPhone, le dernier Samsung, toujours, ils sont au top dans la technologie, ils ont toujours tout ce qui est dernier cri, etc. Ne vous comparez pas à ces gens-là. Tout à l'heure, mon frère Moussa, il parlait des Rohingyas. Mais il y en a plein parmi eux qui vivent dans des bidonvilles. Leur souhait, c'est simplement d'avoir de l'eau potable. Ça, c'est pas un souci pour toi. Tu l'as déjà. N'est-ce pas? Il y en a plein parmi eux qui aimeraient avoir ne serait-ce qu'une bonne douche, un endroit propre pour pouvoir se laver. Ils ne l'ont pas. Nous, alhamdoulilah, on a des ni'am, mais par centaines, par milliers. N'est-ce pas? On en a énormément. Et d'ailleurs, le prophète, il nous a dit... Dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim selon Bukhari, regardez ceux qui sont plus bas que vous et ne regardez pas ceux qui sont plus hauts que vous. Dans la vie d'ici-bas, tu veux te comparer, regarde ceux qui sont en dessous. Toi, tu es en train de te comparer à quelqu'un qui a une grosse voiture, ou qui a de l'argent, ou qui a des diplômes, ou qui a des jeux, ou qui a ceci, ou qui a cela. Mais compare-toi à ceux qui n'ont rien, qui ont perdu leurs parents en guerre, qui se font bombarder tous les matins. Nous, alhamdoulilah, on se lève chaque matin, on est en sécurité. Il a perdu sa santé. Il est handicapé, il est paralysé maintenant. Ou il est devenu sourd, ou muet, ou aveugle, ou autre. Toi, Allah, tabaraka ta'ala, il te comble d'énormément de bienfaits. Selon
Ubaydullah al-Ansari, radiyallahu anhu, le prophète sallam a dit, celui d'entre vous qui se réveille le matin en sécurité parmi les siens. Regarde bien, tu te réveilles le matin en sécurité. 2. Ne souffrant d'aucun mal dans son corps. 3. Possédant la nourriture de sa journée. Donc trois choses, hein. C'est comme si on lui avait amassé tous les biens de ce monde. Le hadith, il est rapporté par Tirmidhi. Trois choses. Trois choses qui te permettent de savoir si tu es quelqu'un qui, mashallah, a tout ce qu'il faut ou pas. Tu travailles en sécurité, ton corps est en bonne santé et tu as de quoi manger pour aujourd'hui. Tu es quelqu'un à envier. Tu es quelqu'un de mashallah. Nous, c'est pas ce qu'on voit malheureusement. Pourquoi ? Parce qu'on s'est écarté de la voie du prophète alayhi salatu salam. Et on pense que la richesse, elle est dans le matériel. Non, la richesse, on vous l'a dit, elle est dans le cœur, par l'iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, selon Abu Hurayra radiallahu anhu, la richesse ne consiste pas en l'abondance des biens, mais la vraie richesse est celle de l'âme. Wallahi, mon frère, quand tu passes quelques prosternations, où tu te concentres et tu parles avec Allah et que tu l'invoques, mais qu'est-ce que tu te procures du bonheur ? Quand tu te lèves le matin et que tu fais les invocations du matin, que tu ne les oublies pas, quel bonheur. Quand tu lis le Coran chaque jour avant de dormir, que tu ne te loupes pas sur ça, mais quel bonheur. C'est dans ça ou non on se procure du bonheur ? C'est dans les adorations, c'est quand on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si Allah il te facilite de te lever la nuit pour prier, ou bien de jeûner le lundi et jeudi, bah, tous ces efforts que tu fais qui sont durs pour l'âme, procurent du bonheur. Pourquoi ? Parce que tu fais cela pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il te fait goûter après à la saveur de l'iman, à la saveur de la foi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était ascète. C'est-à-dire qu'il avait tourné le dos à cette vie. Et d'ailleurs, il disait « Hubbiba ilayya min dunyakum ». Regardez le choix des mots. Il disait « Il a été enraciné dans mon cœur l'amour de certaines choses de votre bas monde. »« Hubbiba ilayya min dunyakum » de votre bas monde. Dunya n'est pas rentré dans le cœur de Nabi alayhi salatu wasalam. Et puis, ce qui est assez étonnant, c'est de voir que le prophète sallam, à un moment donné, il touchait un cinquième du butin de guerre. Parce qu'il y en a, ils disent, ouais, mais il était pauvre, il n'avait pas les moyens, donc il n'a pas réellement goûté à la dunya, hop, 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 je t'arrête. À un moment donné, il avait un cinquième du butin de guerre. C'était énormément de richesse. Mais il donnait tout, fisabilillah. Il ne gardait rien. Il ne gardait rien. Et regardez ce que le prophète sallam souhaitait. Le prophète, il dit, si j'avais un tas d'or, pareil au mont Uhud. Pour ceux qui sont partis à Médine, vous avez vu Jabal Uhud, la montagne d'Uhud, elle est immense, immense. Et le prophète, il dit, si j'avais un tas d'or, pareil au mont Uhud, je serais certainement heureux de faire quoi ? De garder cet argent, de m'acheter des nouveaux vêtements, de faire plaisir à ma famille, des bons plats, etc. Regardez, le prophète, il dit quoi ? Je serais certainement heureux de ne pas laisser passer trois jours alors que j'en garde encore quelque chose, si ce n'est de quoi payer une dette. Sa joie, elle serait dans le fait de dépenser tout ça, fisabilillah. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. T'imagines ? Toi, si tu as l'équivalent de la montagne de Uhud, tu perds les boulons, mon frère. Tout ça en or, mais tu perds les boulons. Tu dis, oh là là, ça se vend. Déjà, il me faut un acheteur et il m'arnaque pas. La première des choses, c'est pas n'importe qui m'achète l'or. Faut un vrai. Hein, je vais demander à mon cousin, il est waouh dans l'or, il connaît. Et puis après, une fois que je l'ai vendu, comment je vais répartir ça ? Je peux acheter trop de choses. Énormément de choses. Et il commence à placer des priorités, etc. Le prophète Sam, c'était pas ça. D'accord ? Le prophète Sam, c'était pas ça. Est-ce que ça veut dire par là qu'on n'a pas le droit d'avoir une belle maison ? Non. Dans un hadith rapporté par Ibn Hibban, selon Sa'ad, le prophète Sam a dit Arba'a mina sa'ada. Quatre choses font partie du bonheur. Parmi elles, al-maskan al-wasi'a. La maison spacieuse. La maison spacieuse, ça fait partie. Et d'ailleurs, dans le hadith, il dit aussi al-markab al-hani, la bonne monture. La bonne monture à l'époque, c'était le chameau. Donc aujourd'hui, avoir une bonne voiture, il n'y a pas de problème. Mais toujours, est-ce que je rentre dans l'excès, dans l'orgueil ou pas ? D'accord ? Et est-ce que le moyen qui m'a permis d'avoir ce bien est licite ou je suis passé par un crédit, hein, et je suis super content parce que j'ai finalement pas beaucoup de pourcentage et dans le crédit, ça va, je m'en sors plutôt bien. Sur 30 ans, alhamdoulilah, la villa m'appartient. Pourquoi passer par quelque chose de haram pour te faire plaisir ? T'as pas les moyens, n'achète pas. C'est pas une obligation religieuse, on n'a aucun texte qui dit si tu meurs sans avoir été propriétaire, c'est chaud, méfie-toi le jour du jugement. On n'a pas ça. Par contre, on a l'inverse. Que si tu touches à l'usure, à riba,
ben, le seul péché dans le Coran où il y a une promesse de combattre Allah yawm al-qiyama, c'est pour l'usure, celui qui mange l'usure. C'est le seul à qui Allah subhanahu wa ta'ala a promis qu'il va le combattre. Et d'ailleurs, Ibn Abbas, radiallahu anhu, il dit qu'il lui sera donné une épée à celui qui a mangé l'usure et il lui sera dit, va combattre Allah. Tout ça pourquoi? Pour un appart, pour une voiture? C'est pas une obligation. T'as les moyens, tant mieux. T'as pas les moyens, tant pis. Ouais, mais avoir un loyer, t'as vu, en plus, comment c'est cher, finalement, c'est jeter son argent par la fenêtre, faux. Ça, c'est des idées reçues, ça. Qui t'a dit c'est jeter par la fenêtre? Non. T'as tes enfants qui sont à la maison, ils sont bien abrités, t'as le chauffage, t'as un lit, t'as même plusieurs lits, t'as des armoires, t'as ton frigo, t'as... mais tout ça, ça a un prix. Si tu payais l'hôtel pour faire vivre ta famille, tu verrais que tu dépasserais largement ton loyer. Donc, Allah ybarik fikoum, faites-y très attention. Le prophète, alayhi salatu wasalam, était donc quelqu'un d'asset. Omar, radiallahu anhu, il dit qu'il est rentré une fois chez le prophète, et le hadith, il est rapporté par un muslim. Et il a vu le prophète, allongé sur un tapis de paille. Et le tapis de paille, il avait laissé des traces sur le côté du prophète. Et quand Omar il est rentré, il a vu la maison du prophète super modeste. Il y avait un tapis de paille, une poignée d'orge et une autre d'acacia blond et une peau suspendue qui n'avait pas encore été tannée. En voyant ça, Omar il a craqué, il a pleuré. Il a pleuré, il a vu la plus noble des créatures qu'Allah a créées dort dans ces conditions. Il a pleuré. Et là, le prophète lui a dit, qu'est-ce que tu as, ya Omar? Il lui a dit, Khosroès, César, les rois de ton époque, ils vivent dans des grands palais. Et toi, la plus noble des créatures, Rasulullah, tu dors dans ces conditions. Et là, le prophète, alayhi salatu wasalam, lui a dit, ô Ibn al-Khattab, il lui a dit, n'acceptes-tu pas que nous ayons, nous, la vie future et qu'ils aient, eux, ce bas monde? Cette vie d'ici-bas, c'est une étape. D'accord? Tu veux avoir une belle maison, on a dit, c'est pas interdit. Tu veux avoir une belle voiture, c'est pas interdit. Mais ça ne doit pas être le seul objectif de ta vie. D'ailleurs, ça serait très triste et c'est même vil. Que le seul objectif de ta vie, c'est de finir dans un 100 mètres carrés et que tu es propriétaire ou même locataire, que tu as une belle maison et beaucoup d'argent. Non. Tout ça, c'est bien. Si tu t'en sers pour obtenir autre chose. D'accord? Je mets mes enfants dans le confort pour faire rentrer la joie dans leur cœur. Pourquoi? Pour obtenir l'agrément d'Allah. Donc il y a toujours des bonnes niyas derrière et que des moyens louables, des moyens nobles qui te conduisent à tout cela. Le prophète alayhi salatu wasalam était donc un asset. Une fois, une femme, et c'est rapporté par l'imam al-Bayhaqi, elle a offert à Aïcha radiallahu anha un lit. Elle avait pitié du lit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis quand le prophète sallam rentre à la maison, il voit un lit confortable. Et lui, il n'avait pas l'habitude d'avoir ça, alayhi sallam. Et là, tout de suite, le prophète sallam a dit, rends-lui, rends-lui, on n'en veut pas, rends-lui. Et il lui a rendu. Et dans un autre hadith, on voit que le prophète, alayhi sallam, à sa mort, il n'a laissé ni dinar, ni dirham, ni esclave, ni servante, ni rien d'autre, si ce n'est sa mule blanche qui lui servait de monture, ainsi que ses armes et quelques terres qu'il avait léguées aux étrangers de passage. Ça, c'était au moment de sa mort, alayhi salatu wasalam. Le prophète, alayhi salam, il a éduqué des compagnons qui étaient comme lui, Asset, Salman al-Farisi, radiyallahu anhu. Au moment de sa mort, il dit, je n'ai pas respecté la recommandation du prophète, alayhi salam, celle qui était de ne prendre de ce monde que ce qui suffisait à un voyageur comme provision. Et donc, il était triste. Il était triste. Puis après sa mort, ils ont compté ce qu'il avait laissé derrière lui. Il n'avait laissé qu'une vingtaine de dirhams. Et pour lui, là, il n'avait pas respecté la recommandation du prophète, subhanallah. Abu Huraira, radiallahu anhu, c'est un compagnon assez exceptionnel. C'était quelqu'un qui avait sacrifié sa vie pour apprendre la religion. On sait qu'il s'est converti 4 ans avant la mort du prophète, sallam, et on sait également qu'il est celui qui a rapporté le plus de hadiths parmi les compagnons du prophète, sallam. Il en a rapporté 5200 et quelques. D'accord? 74. Abu Huraira, radiallahu anhu, qui vient dépasser tous les compagnons, même Aïcha qui en rapporte que 2210 comparé à Abu Huraira, et c'était la femme du prophète. Elle lui dit, mais comment ça se fait que tu rapportes plus de choses que moi? Elle lui dit, toi, de temps en temps, il y a le miroir qui t'occupe, c'est-à-dire que tu t'embellis pour le prophète. Moi, il n'y a rien qui m'occupe, je suis comme son ombre. Je suis tout le temps derrière lui. Donc on voit le sacrifice des sahaba radiallahu anhum, et subhanallah,
c'est par leur cause qu'aujourd'hui on a réussi à dire la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé tous ces hommes pour que la religion nous parvienne. Et ils ont sacrifié de leur temps, sacrifié de leur vie. Nous, ce qui nous est demandé, inshallah, après cette conférence, c'est de prendre la décision de se dire, mais quand est-ce que je vais sacrifier moi aussi un petit peu de mon temps pour faire évoluer les choses autour de moi? Et chacun d'entre nous a une ou voire plusieurs compétences qui sont utiles. Par exemple, certains sont bons en maths. Pourquoi ne pas ouvrir un pôle soutien scolaire et aider les membres de la mosquée à ouvrir ce pôle? D'autres sont bons dans tel domaine. C'est des archis. On a besoin d'eux. On a besoin de tel médecin. On a besoin d'un tel, un tel, un tel, un tel. Toutes ces compétences, il faut les mettre au service de notre dîn. Il faut les mettre au service de notre dîn afin que tu puisses récolter énormément de hasanat et d'alourdir tes bonnes actions pour que le jour du jugement, tu récoltes, inshallah, le succès. Donc, Abu Hurayra radiallahu anhu, des fois, on le voyait à côté du mimbar allongé. Et certains pensaient qu'il était touché par un djinn. Vous savez qu'il faisait des crises. Et il disait, non, ce n'est pas ce que vous pensez. Innama huwa al-jou'a. C'est la faim. La faim. Il avait souvent faim, Abu Hurayra radiallahu anhu. Il faisait partie d'ailleurs de Ahl al-Suffa, les pauvres qui vivaient dans la mosquée du prophète. Mais quand le prophète recevait un petit peu de nourriture, du lait ou quelque chose, il allait leur donner. Et donc, il a préféré sacrifier sa vie plutôt que de travailler. Pourquoi? Pour apprendre et être utile. Et Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, ce grand compagnon, aussi, il a une histoire, plusieurs qui sont impressionnantes. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, une fois, il arrivait en retard pour le discours du vendredi. Et c'est lui qui devait faire le discours. Et il leur dit, je suis vraiment désolé du retard. J'avais qu'un seul vêtement, ce qamis-là. Il était déchiré et on est en train de le recoudre. C'est ce qui a causé mon retard. Omar, radiallahu anhu. Mus'ab ibn Umayr, radiallahu anhu, on l'appelait le dandy de la Mecque. Lui, il était très riche. Sa mère, elle était très très riche. Il mettait des vêtements luxueux. Il mettait des parfums qui sentaient tellement bons que quand il passait par un endroit, on savait que Mus'ab, radiallahu anhu, il était passé par là. Il vivait dans le luxe. Mus'ab, radiallahu anhu. Puis, il entend parler du message de l'islam. Il se rapproche de ce message et se convertit à l'islam. Sa mère tout de suite lui donne un choix difficile. Soit tu restes à la maison, tu renies ta religion, soit je veux plus de toi. Il n'a pas renié sa religion, alors elle l'a enfermé à la maison. Puis après, il a réussi à s'enfuir et rejoindre le rang des musulmans. Puis il a fait partie des premiers musulmans qui ont été envoyés à Médine pour appeler les gens à l'islam. Et après cela, il est le porteur de l'étendard des musulmans à Uhud. Et dans cette bataille-là, un homme croira que le prophète sallam est mort après avoir tué Mus'ab ibn Umayr, et il dira le prophète sallam est mort, et il fera donc circuler cette rumeur auprès des gens. Et là, on y voit que Mus'ab ressemblait au prophète alayhi salatu wasallam. Mus'ab ibn Umayr radhiyallahu anhu, dans la bataille, il portait l'étendard des musulmans. Et quand on porte l'étendard des musulmans, il faut savoir que c'est un rôle très grand et très symbolique dans la guerre. C'est que si cet étendard-là, ce drapeau tombe, c'est-à-dire que c'est la perte des musulmans. Et bien sûr, il y avait un étendard aussi qui était porté de l'autre côté, chez les Quraïchites. Et Mus'ab ibn Umayr, rapidement pendant la bataille, il se retrouve à perdre un bras parce qu'il mange un coup de sabre qui lui enlève complètement son bras. Et tout de suite, il prend l'étendard avec l'autre bras parce qu'il faut impérativement que l'étendard des musulmans reste levé. Puis après cela, on lui coupe le deuxième bras et il garde l'étendard avec ce qui lui reste comme chair. Puis après, il a été tué par un dernier coup. Et lorsque le prophète sallam est descendu et il a vu les compagnons qui étaient tombés martyrs après la guerre, il a pleuré. Il a pleuré, il a invoqué Allah pour eux. Il y avait notamment Hamza, son oncle, radiallahu anhu, et il était très triste. Et quand il a vu Mus'ab ibn Umayr, radiallahu anhu, et ben, cet homme-là qui était super riche, au moment de l'enterrement, il n'avait même pas un seul pour qu'on puisse l'enterrer. Et donc après, ils ont pris son manteau et ils ont rajouté de l'herbe sur ses pieds pour qu'il puisse être enterré et couvert. Vous imaginez? Donc c'est comme ça qu'ils étaient, radiallahu anhum, ils ont énormément sacrifié. Nous, ce qui nous est demandé, ce n'est pas de faire autant qu'eux, comme certains pourraient le penser, c'est un appel à la guerre et d'aller prendre les épées. C'est absolument pas ça. C'est simplement avec les moyens qu'Allah t'a donné, ton intelligence, c'est d'essayer d'être utile. Là où tu peux. Là, dans l'association du quartier, la mosquée du quartier, rapproche-toi des musulmans, essaie de vous organiser, faites quelque chose d'utile et de bénéfique pour les malades, les handicapés. D'ailleurs, subhanallah, nous, sur la région parisienne, je tiens à féliciter énormément
ces nombreuses associations qui travaillent dans le domaine de l'handicap. Le domaine de l'handicap, généralement, on n'en parle pas beaucoup. Il y a une association qui est impressionnante, elle s'appelle Handicom, qui a pour objectif, écoute attentivement, de prendre les personnes à mobilité réduite qui sont sur chaise roulante et de les sortir chaque semaine pour prendre l'air. Ils ont des camions qu'ils ont achetés et qui sont spécialisés que dans ce domaine. Ils les prennent, ils leur font respirer un petit peu, ils les font respirer le week-end et aussi la Jumu'ah. Et ça leur permet, eux, à ces personnes en mobilité réduite, de ne pas se sentir exclus de la communauté. Et vous pouvez imaginer, vous pouvez même pas imaginer à quel point ils sont contents. Wallahi l'azim, mais il faut penser à ça, n'est-ce pas? Il y a une autre association sur Paris, elle s'appelle Paris-Églantine. À ma connaissance, c'est la seule qui œuvre pour les aveugles, qui leur enseigne à lire en braille, le Coran, etc. D'autres associations comme Donne-moi un signe. Pareil, aujourd'hui, ils ont plusieurs pôles, mashallah. Ils font des cours en langue des signes, de religion, d'arabe, de sciences islamiques, etc. Subhanallah, il faut y penser. Hein. Faut y penser. Et j'en passe, il y a aussi ceux qui travaillent avec les autistes, et là, il y en a plusieurs. Le relais du frère Daoud et d'autres. Donc, mashallah, la quwata illa billah, il y a, si tu veux aider, il y a énormément d'endroits où tu peux aider, même virtuellement, même à distance. En rédigeant des articles, si tu es un bon communicant, si tu sais faire des montages, si tu es bon pour faire des affiches, d'accord ? Tu es un bon graphiste, etc. Donc il y a moyen d'être utile. Mais simplement, il faut prendre le temps de comprendre que ce passage dans la dunya, il est éphémère. Il est éphémère et les meilleurs d'entre nous seront ceux qui ont fait le maximum en étant sincères pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est les meilleurs. Et il y en a, mashallah, tous les bons plans, tu les trouves dedans. D'ailleurs, ça se trouve, vous en connaissez des gens comme ça. Vous savez, comme le prophète Sam, il dit, qui parmi vous aujourd'hui jeûne ? Abou Bakr, il dit moi. Qui parmi vous aujourd'hui a suivi le cortège d'un mort ? Abou Bakr, il dit moi. Qui parmi vous a visité un malade ? Abou Bakr, il dit moi. Tout ça en un jour. Il y a des gens comme ça, Allah il leur a donné. Et d'ailleurs, al-amal, c'est un risque min Allah. Le fait de pouvoir mettre en pratique, être utile, être toujours, mashallah, parmi les premiers à œuvrer, ça c'est un cadeau d'Allah. Wallahi l'azim, c'est un cadeau d'Allah. D'ailleurs, on entend plein de discours comme ça, mais est-ce que on change et on devient comme certains qu'on fréquente, hein, pour ne pas regarder les compagnons, mais certains qu'on fréquente, il y a des gens, wallah l'azim. Moi je me rappelle pendant le hajj dernier, il y a un frère, wallah l'azim, il m'a marqué, qu'Allah le récompense. Il y a une personne qui était aveugle, qui est venue avec nous au hajj, aveugle, et elle est venue sans accompagnateur. Vous imaginez? Un frère, jazallahu khair, qu'Allah lui accorde le firdaus du groupe, il n'a aucun lien de famille avec lui, si ce n'est le grand lien fraternel, et vous savez que les liens fraternels sont très forts, il l'a pris en charge du début à la fin, il lui faisait sa douche. Il l'emmenait pour prier, il le réveillait, il l'aidait à tout faire, à changer tout du début à la fin comme si c'était son fils. C'est comme ça, il y a des gens, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné ça, al-amal. C'est quelqu'un qui sait œuvrer, qui sait faire le bien. Pourtant, on était nombreux, on était 500 et quelques pendant ce hajj. Quelqu'un aurait pu... Mais comment ça se passe généralement dans nos têtes? C'est, de toute façon, si je ne le fais pas, il y aura quelqu'un qui va le faire. C'est vrai ou c'est pas vrai? Si c'est pas moi, de toute façon, ça serait un autre. Et pourquoi ça ne serait pas toi? Je sais que c'est difficile pour l'ego. Mais akhi, la marchandise d'Allah, le paradis, vaut cher. Je continue encore avec une dernière histoire. C'est l'histoire d'Abdullah ibn Hudhafa. Radiallahu anhu, cette histoire, je ne sais pas combien de fois je l'ai racontée, mais wallahi l'azim, à chaque fois, elle me fait le même effet. Elle est impressionnante. Qui parmi vous connaît Abdullah ibn Hudhafa? Lève la main. Ok. Je m'en doutais. Abdullah ibn Hudhafa, radiallahu anhu, dans une bataille contre les Romains, des musulmans avaient été envoyés sous le califat d'Omar, radiallahu anhu, et ils ont fini par être prisonniers. D'accord? Ils ont été prisonnier de cette guerre. Alors, Héraclius, donc l'empereur romain, en entendant que l'un des prisonniers était un sahabi, un compagnon, était heureux. Pourquoi? Parce que lui, il entendait que c'était des hommes légendaires. Un compagnon, c'est un homme qui vaut une communauté. Je veux voir ça de mes yeux. Alors, il fait sortir un parmi les prisonniers, et c'est un compagnon, il s'appelle Abdullah ibn Hudhafa. Abdullah ibn Hudhafa, radiallahu anhu, c'était un jeune, intelligent, il avait al-basira, la clairvoyance. Et donc, il sort. Et là, quand il sort, donc, il est apporté à Héraclius avec des chaînes aux mains et un boulet aux jambes. D'accord ?
Puis après, donc un jeune hein, d'une trentaine d'années, il a eu des échanges avec Héraclius. Héraclius, il a remarqué que malgré son âge, il était très intelligent. Héraclius lui a dit, Abdullah ibn Hudhafa, deviens chrétien et je te libère. Deviens chrétien et je te libère. Abdullah ibn Hudhafa lui a dit, jamais, je n'abandonnerai jamais ma religion. Héraclius lui a dit alors, deviens chrétien et je te donnerai la moitié de mon royaume. La moitié de mon royaume. Abdullah ibn Hudhafa lui a dit non. Subhanallah, certains, malheureusement parmi les musulmans et les musulmanes, pour moins que ça, ils auraient vendu leur dîme. Et lui, il se voit proposer la moitié du royaume du roi et il lui dit non. Et là, Héraclius, il lui dit, deviens chrétien, je te donne ma fille en mariage. Et là, si vous faites bien le calcul, c'est plus la moitié du royaume, c'est tout le royaume. Parce que s'il meurt, ça y est, il a tout. Il a la fille, le royaume, tout. Et là, Abdullah ibn Hudhafa, pour couper court, il lui dit, tu peux me donner ton royaume, celui de tes parents, celui des Arabes et des non-Arabes, je n'abandonnerai jamais ma religion. À ce moment-là, Héraclius se sent insulté. Pour lui, c'est trop. C'est-à-dire, en fait, tout ce pourquoi j'ai œuvré, j'ai charbonné pendant tant d'années, n'a pas de valeur à tes yeux. Et pour lui, c'est vexant, c'est humiliant. Il ne trouve même plus les mots. Fou de rage, il décide de punir Abdullah ibn Hudhafa. Alors, il dit jetez-le en prison et ne lui donnez plus à manger ni à boire. Et ils l'ont laissé comme ça jusqu'à ce que Abdullah ibn Hudhafa, de par la grande faim et la grande soif qui l'ont touché, il a commencé à se préparer à rencontrer son Seigneur. Ça y est, pour lui, il était en train de rendre l'âme. C'est la mort. Vous savez, quand on a hyper faim, on n'en peut plus, et la soif nous a assommés. Lui, ça y est, il était en train de se préparer à mourir. Puis, le roi a demandé qu'on lui fasse entrer de l'alcool et du porc pour l'humilier et l'obliger à manger ce qui était illicite. Abdullah ibn Hudhafa a dit, je sais qu'en temps de nécessité, j'ai le droit de manger de ces aliments et de boire de ces boissons. Mais je n'y toucherai pas, afin qu'ils ne se moquent pas des musulmans et de l'islam. Il avait une izza impressionnante, une fierté d'être musulman. Donc il a refusé de toucher à cette nourriture et à cette boisson. Imagine-toi, Akhi, que tu es à sa place. Imagine-toi. Et là, Héraclius, en entendant cela, il dit, ok, très bien, faites-lui entrer une parmi les plus belles femmes dans sa cellule. Et lui font rentrer une femme parmi les plus belles femmes qui rapidement a commencé à le tenter, à se mettre autour de lui et puis elle s'est déshabillée pour le tenter et qu'elle commette zina, la fornication, wal'ayadu billah. Mais Abdullah ibn Hudhafa radiallahu anhu, c'était l'éducation du prophète sallam. C'était une montagne. C'était quelqu'un de très solide. Et Abdullah ibn Hudhafa ne lui accordait aucune importance au point où elle s'est lassée de sa présence et elle est sortie et elle a dit, par Dieu, vous m'avez fait rentrer chez un homme dont j'ignore si c'est un humain ou une pierre et lui-même ne sait pas si je suis une femme ou un homme. Il ne m'a même pas regardé. Allahu Akbar. Héraclius se mit en colère et là, une petite parenthèse, subhanallah, cet homme-là, ça nous rappelle un petit peu l'histoire de Yusuf alayhi salam, n'est-ce pas? Ça lui a été servi sur un plateau de faire le haram et il a refusé. Et wallahi l'azim, je le dis, et ça me fait mal au cœur, on voit le prophète Yusuf alayhi salam, une femme très belle, elle lui propose la fornication, il refuse. Abdullah ibn Hudhafa, il est en prison, on lui fait rentrer une très belle femme pour qu'il commette la fornication, il refuse. Pourquoi? Il ne veut pas s'attirer la colère d'Allah. Et ce qui me fend le cœur, wallahi l'azim, c'est de voir aujourd'hui nos frères par centaines qui, de décembre à février, vont comme la pluie en Thaïlande pour commettre zina. Wallahi, ça me fend le cœur. Comme c'est pas cher, et puis là-bas, il est sûr de ne pas rencontrer quelqu'un de sa famille, il se lâche. Mais le regard d'Allah dans tout ça, il est où? Et vous savez combien de personnes sont revenues avec le sida de là-bas? Et puis si ça s'arrêtait au sida, c'est une chose. Mais après la mort, vous y pensez pas? Au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ces jeunes qui aujourd'hui vont là-bas et ils se croient au paradis. Parce qu'avec son argent, il peut tout faire, c'est pas cher.
louer des grosses bécanes, aller en soirée. Il va faire un massage, puis après le massage, il rajoute un billet, il fait zina. Mais la question, c'est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Alam ya'alam bi anna Allah yara » Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Ne sait-il pas que vraiment Allah le voit ?» Et le regard d'Allah dans tout ça. Subhanallah, ces personnes-là, je me pose la question, si l'imam de leur quartier, il les voit sur place, est-ce qu'ils vont se cacher ou pas ? Généralement, ils se cachent. Pourquoi ? Ah, c'est chaud, il va me voir avec un joint et avec une femme sur mon côté. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ça, yastakhfuna min an-nas wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum. Allah il dit, ils ont quoi? Ils ont honte des gens et ils n'ont pas honte d'Allah alors qu'Allah il est avec eux tout le temps. Et le jour du jugement, ces gens-là qui commettent des péchés, parce que zama ils sont à l'abri du regard des autres. Mais ils ne pensent pas un moment qu'ils vont ouvrir un livre, le livre de leurs actions, et dedans, quand ils vont tourner les pages, ils vont voir que des catastrophes. Et tout ça, ça sera de leur propre quoi ? De leur propre chef. C'est eux-mêmes qui ont voulu cela. T'imagines un peu, ils ouvrent la première page, Thaïlande. Soirée, zina, discothèque, oula, embrouille, tease, ouf, c'est chaud, shit, ils tournent la page. Oh là là, on est parti sur style. Ah ouais, il y a tout écrit, c'est un truc de ouf. Il tourne la page. Et toutes les destinations, et tous les endroits où il était, il désobéissait à Allah. Mais à ce moment-là, mon frère, il n'y a pas de marche arrière. Hein. Tu peux plus, il n'y a plus de session de rattrapage. C'est quoi? C'est parce que Zama, t'as 17, 18, 19 ans, la mort, elle va pas te toucher. Mais il y en a, ils sont morts à plus jeune que ça, plus tôt que cela. Et tu dois avoir peur d'Allah et peur de sa rencontre. C'est chaud, Wallah il arrive, mais à quel point aujourd'hui les gens, ils se lâchent, ils font du haram et ils n'ont pas peur d'Allah. Vous êtes en train de remplir votre livre, et soit vous allez le récupérer de la main droite, comme Allah le dit dans le Coran, et vous serez des gagnants, soit de la main gauche, et vous serez des perdants. Tu ne veux pas te repentir, tu ne veux pas revenir vers Allah, yaoum al-qiyam, le jour du jugement, ne viens pas dire on ne m'a pas prévenu, car tu as été prévenu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala améliore leur situation. Donc on revient à Abdullah ibn Hudhafa radiyallahu anhu. Il refuse de faire zina avec cette femme. Héraclus se met en colère, là il n'en peut plus, il se sent humilié, insulté comme pas possible. Il dit, amenez-moi un énorme récipient. Et dedans, ils y mettent de l'huile et ils la font bouillir. D'accord ? L'objectif c'est quoi ? C'est de brûler les croyants. Et là, ils ont amené un musulman. Et ils l'ont jeté à la marmite sous les yeux d'Abdullah ibn Hudhafa. Pourquoi ? Pour l'intimider, le faire faiblir. Et quand ce musulman il a été jeté dans la marmite, quelques temps après, ses os ont ressurgi à la surface. Et Abdullah ibn Hudhafa, il est serein comme si de rien n'était. À ce moment-là, Héraclus, il n'en peut plus de lui, parce qu'il voit que c'est trop, c'est une montagne, il ne bouge pas. Il a dit, prenez-le et jetez-le dans l'huile. Et en chemin, en avançant vers l'huile bouillante, Abdullah ibn Hudhafa pleure. Les hommes d'Héraclus étaient super contents. Ça y est, ils planaient dans le ciel. Oh, on le tient, il affaiblit, enfin ! Ils étaient super contents. Et là, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit à Héraclus, c'est bon, il pleure, on le tient, il affaiblit. Ah, il en a fallu du temps pour faire craquer celui-là. M'sakin. S'il savait pourquoi il a pleuré, Allahu Akbar. Vous savez, Héraclus, il l'a amené et il lui a dit, vas-tu maintenant abandonner ta religion ? Il lui a dit, ne pense pas que j'ai pleuré par crainte de la mort. J'ai pleuré parce que je me suis souvenu que je n'avais qu'une seule âme et que mon âme allait partir maintenant. J'ai pleuré parce que j'aurais voulu qu'Allah me donne 100 âmes pour que je puisse mourir 100 fois de cette manière pour Allah. Wallahi l'azim, c'est impressionnant. Wallahi, c'est impressionnant. Et c'est là où on voit que ces gens-là, ils ont compris que l'objectif de cette vie, c'est de quoi ? De vivre musulman et de mourir musulman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Et ne mourir qu'en pleine soumission. Et comme a dit le prophète dans le Bukhari, innamal a'mal bil khawatim, les actions ne valent que par leur fin. Ta fin, c'est le plus important, mon frère. Ta fin, c'est le plus important, ma sœur. C'est pas grave, t'as eu
des hauts et des bas dans ta vie, tu voilà, t'es tombé, relève-toi, tu boites, ma'alish, marche, même si tu boites. L'essentiel, c'est que tu continues à marcher, chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala. Repends-toi, reviens vers lui. Mais ne dis jamais c'est trop tard. C'est pas trop tard. Alhamdulillah, t'es encore en vie. Alhamdulillah, l'occasion de se repentir est encore ouverte. Elle est là. Reviens vers Allah. Pourquoi ? Parce qu'après la mort, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, nous, ce qu'on te souhaite, c'est le paradis pour l'éternité. C'est que tu aies ton livre de ta main droite et que tu dis, comme certains vont dire, tenez, lisez mon livre. Regardez, regardez mes prières, regardez mon jeûne, mes umrah, regardez mes prières de nuit, regardez ma lecture du Coran. Regardez quand j'ai délaissé le haram, vous vous moquez de moi, regardez. Et il y en a d'autres, malheureusement, ils vont ouvrir leur livre, ça sera ténèbres sur ténèbres. Ténèbres sur ténèbres. La question est, finalement, mon frère, c'est que toi, ma soeur, est-ce que le jour du jugement, c'est pas un jour où on devrait le garder en tête parce que c'est un moment qui fait peur et on a besoin de cette peur pour faire revivre nos cœurs parce que justement, on oublie souvent le jour du jugement. D'ailleurs, dans plein de textes, on voit « Man kana yu'minu billah wal yawm al-akhir »« Man kana yu'minu billah wal yawm al-akhir »« Falikulim daifa » N'est-ce pas hein? Etc. Plein de textes viennent nous dire celui qui croit en Allah et au jour dernier, celui qui croit en Allah et au jour dernier, que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise de bien ou qu'il se taise, qu'il honore ses hôtes, etc., etc. À chaque fois, il est sujet du jour dernier. Pourquoi ? Parce que pour nous, c'est un frein. C'est un frein. Dans cette vie dans laquelle on est en train de courir du matin au soir, on a besoin de temps en temps de rappels comme sur l'autoroute, limité à 70. Fais gaffe, tu dépasses ça, tu te fais flasher. On en a besoin. Et ces rappels-là, c'est justement les rappels de la mort et de ce qui vient après la mort qui nous maintiennent à la vitesse autorisée. Sinon, on fonce et on fait n'importe quoi. Donc c'est pour ça, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, alhamdulillah, tu es encore en vie. Œuvre et fais le bien. Abdullah ibn Hudhafa, vous savez, quand il a dit ces paroles à Héraclius, Héraclius, il est resté bouche bée. Il ne savait plus quoi faire. Il s'est dit, le tuer, ça ne va pas servir à grand-chose. Lui, il aimerait mourir 100 fois. Il s'est dit, finalement, je lui offre un cadeau. Il a dit, moi, ce que j'aimerais, c'est d'obtenir quelque chose de sa part. Alors, il a réfléchi comme ça. Il a dit, tu sais quoi ? Embrasse-moi le front et je te libère. Il voulait juste obtenir quelque chose d'Abdullah ibn Hudhafa. Abdullah ibn Hudhafa, il a réfléchi et il lui a dit, j'accepte à condition que tu me libères moi ainsi que tous les musulmans qui sont emprisonnés. Et là, Héraclius lui a dit, c'est bon, marché conclu. Ils ont embrassé le front, ils ont été libérés. Quand ils sont rentrés à Médine et que Omar al-Khattab a eu vent de l'histoire, il a dit, c'est un devoir pour chacun d'entre vous de se lever, d'embrasser le front d'Abdullah ibn Hudhafa et je serai le premier à le faire. Abdullah ibn Hudhafa, quand il n'y avait pas les preuves, il était comme tous les autres compagnons, un compagnon, radiyallahu anhu. Mais quand est-ce qu'on connaît réellement une personne ? C'est au moment de l'épreuve. C'est quand elle tient et qu'il y a une tempête qui est dure. C'est quand elle reste sur ses principes, qu'elle ne faiblit pas, qu'elle tient bon. Et les exemples de nos prophètes et nos compagnons sont nombreux sur ce sujet. Et justement, normalement, nous, on doit puiser de leur histoire pour avoir de la force, pour se renforcer, pour avoir des modèles à suivre. Enfin, la morale de tout ce que je viens de dire, mon frère, c'est que toi, ma soeur, si tu dois retenir quelque chose, c'est marche concernant la dunya, cours concernant l'au-delà. Cours concernant l'au-delà. Alhamdulillah, beaucoup de jeunes, même les moins jeunes, mashallah, des barakas qui sont devant nous et qui nous écoutent. Mashallah, la quwata illa billah, chacun d'entre nous peut apporter quelque chose. Chacun d'entre nous peut faire du bien autour de lui. Et là, j'aimerais donner, inshallah, quelques petits conseils à tous ceux qui ont des compétences. Alors, quand je parle de compétences, que tu sois fort, comme on a dit, dans les matières scientifiques, d'accord ? Ou que tu sois un bon mécanicien, ou un boucher, ou dans n'importe quel domaine, facilite aux gens, d'accord ? Sois quelqu'un qui est au service des autres, d'accord ? Si tu as des compétences que d'autres recherchent et que tu peux aider, fisabilillah, aide selon ton temps et selon tes moyens. Tu as une audience, tu as une belle plume, écris, donne de ton temps. Vous savez, le prophète, dans le hadith d'Abi Barza qui est rapporté par Tirmidhi, il dit que le fils d'Adam ne fera pas un pas le jour du jugement jusqu'à ce qu'il soit questionné sur quatre choses. La première des choses, sa vie, comment il l'a passée. Ta vie, tu l'as passée comment ? Aujourd'hui, malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, notre vie, elle est dans les réseaux sociaux, derrière des écrans,
H24 sur une tablette ou un PC ou sur son téléphone. Si tu enlèves ce temps d'ailleurs, tu vois, mashallah, tu as beaucoup de temps libre. Énormément de temps libre. Donc, ok, tu es sur les réseaux sociaux. Partage des bonnes choses. D'accord ? Si c'est des rappels ou bien des pages qui sont bénéfiques. Hier, j'ai fait la rencontre d'un parmi nos frères qui est sourd à Marseille et qui a une page Facebook où il fait donc des rappels avec 3000 sourds. Il m'a dit, j'aimerais bien te rajouter à la page. Et subhanallah, t'imagines un peu, il y a des groupes comme ça et un monde autour de nous de gens qui font des choses qui sont magnifiques, mais on n'est pas au courant. Bah, connecte-toi à ces gens qui sont utiles. Et là aussi, je fais un appel à tous ceux qui ont des pages Facebook ou des comptes sur YouTube qui sont visibles. Donc les YouTubeurs, les YouTubeuses, les Facebookers, les produits Snap, d'Instagram, ceux qui sont visibles aujourd'hui. Ben, on a vu il n'y a pas très longtemps la campagne des Rohingyas où il y avait Omar Sy, Jérôme Jarre, etc. Ces gens-là ont une notoriété qu'ils ont utilisée pour une noble cause. Ça, wallah al-azim, ça fait chaud au cœur. Ça réjouit le cœur. C'est magnifique. C'est très très bien. Ben, ces personnes-là qui ont fait cette action, je les invite à en faire d'autres. Parce que un parmi les moyens de se procurer du bonheur, c'est de rendre heureux ceux qui sont autour de nous. Et le prophète sallam il dit, l'œuvre la plus aimée d'Allah, c'est une joie que tu fais sentir un musulman. Donc, quand tu fais du bien autour de toi, d'ailleurs, une grande association humanitaire aux États-Unis, je me rappelle que Cheikh Aïd Al-Qarni, il les avait rencontrés, il leur a dit, pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites là? Pourquoi autant d'investissements et une grosse association humanitaire au State? Ils ont dit, parce que c'est dans ça qu'on se procure du bonheur, c'est en aidant les gens. Et tu l'auras peut-être remarqué, quand on est dans quelqu'un qui te fait une doa, mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait plaisir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc, toi qui as une audience, que tu sois un YouTuber, que tu sois sur le net, sur Facebook, utilise ces réseaux sociaux pour faire connaître les bonnes causes, les nobles causes, comme les associations qui travaillent avec l'handicap. D'accord? Comme les personnes qui sont pauvres, qui vivent dans des crises de guerre, de famine, etc. Comme les Rohingyas ou d'autres personnes qui sont dans le besoin, qu'ils soient musulmans ou non. Qu'ils soient musulmans ou non. Si tu sais par exemple que dans ta ville, il y a des gens qui meurent de froid et qui dorment dehors et qui ne trouvent rien à manger, investis-toi. Pourquoi tu ne serais pas toi le premier à faire changer les choses? Malheureusement, on a des acteurs et des spectateurs. Et on a plus de spectateurs que d'acteurs. Alors que n'importe qui peut basculer de spectateur à acteur juste en mettant quoi? Le curseur sur la volonté. Allez, un petit peu de volonté, je me lance. Et tu verras qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va te faciliter toutes les choses. Juste fais les premiers pas. J'ai cet exemple qui me vient souvent à l'esprit, le prophète Ibrahim alayhi salam. Le prophète Ibrahim alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit « Wa'adhin fi nasi bil hajj » Appelle les gens à faire le hajj. Ils vont venir vers toi à pied, sur dos de monture, etc. etc. Appelle les gens. Ibrahim alayhi salam, il dit « Allah, ya Allah, je suis dans une terre désertique. Je vais faire un appel, qui va m'entendre ?» Il lui a dit « Fais l'appel et nous transmettrons ta voix. » Toi juste, fais les causes et t'occupe du reste. Et c'est comme ça. Toi aussi mon frère, ainsi que toi ma soeur, fais les causes. Juste, mets dans ton cœur, je veux être utile, je veux faire quelque chose. Allah, il va t'utiliser dans le bien, bi'idhnillah. Allah, il va t'utiliser dans le bien. Et n'oublie pas que le prophète m'a dit, kullu ma'ruf in sadaqa. Toute bonne action est une aumône. Donc le champ de l'aumône, il est large. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que laisser sa place à une personne âgée dans le bus, c'est une bonne action ou pas? C'est une aumône. Tenir la porte à quelqu'un, c'est une bonne action ou pas? C'est une aumône. Prendre de l'eau et faire boire un chat ou un chien, c'est une bonne action ou pas? C'est une aumône. Prendre de l'eau, la verser sur une plante, c'est une bonne action ou pas? C'est une aumône. Toute bonne action est une aumône. Voilà, t'as le champ libre. T'as le champ qui est large devant toi. À toi maintenant d'exceller et d'utiliser les réseaux sociaux et ta notoriété et ta force de frappe sur le net pour pouvoir attirer un maximum de personnes pour des nobles causes. Mes frères ainsi que vous, mes sœurs, Allah ybarik fikoum, sachez que la vie, elle est courte. Et que le passage dans la dunya, il va se faire rapidement. Là, pour ceux qui ont 20-30 ans, vous êtes d'accord avec moi qu'on n'a pas senti les 30 ans passer. Hein. C'est rapidement, n'est-ce pas? Ceux qui ont 50-60, pareil, ils disent « Subhanallah, déjà 50, Allahu Akbar ». Et c'est comme ça, la vie, cette dunya, elle passe vite. Et les gagnants parmi nous seront ceux qui auront compris que la dunya, c'est un champ. Je sème des graines là où je peux. Et là, il n'y a qu'une seule chose qu'il faut pour ça, la volonté de faire le bien.
pas plus ni moins, la volonté. Et puis aller vers les personnes qui sont déjà investies dans le bien, que ce soit dans la mosquée ou dans des associations locales, et leur dire, utilise-moi, je veux faire quelque chose. Vous savez, il ne faut pas mépriser n'importe quel bien que tu peux faire. Il y a des gens, je connais des personnes qui viennent, on a une école sur Paris, il y a des personnes qui viennent de très loin, wallah al-azim, juste pour faire le ménage chez nous, gratuitement. Et il doit sûrement y avoir aussi des personnes ici qui viennent nettoyer les toilettes de la mosquée, etc. Et pourtant, on pourrait se dire, mais c'est une tâche vile. Vous savez que le prophète, il a appris qu'une femme était morte et on ne l'avait pas informée. Et cette femme-là, elle avait une particularité, c'est qu'elle nettoyait la mosquée. Le prophète, il a dit, comment vous ne m'avez pas appelé pour que je prie sur elle? Cette femme, elle avait de l'importance pour lui. Elle nettoyait la mosquée. Aujourd'hui, nettoyer la mosquée ou faire le stationnement ou aider le Jumu'a ou n'importe quelle tâche liée à la mosquée ou à une association qui travaille dans l'humanitaire, le social ou autre, ben on la trouve pesante. Et puis, Shaitan, de toute façon, c'est pas ce qu'il aime. Hein. Il préfère que tu restes allongé avec une bonne glace ou un coca devant un film, hein, ou bien devant ton téléphone, tu es en train de surfer ou tu es sur WhatsApp en train d'envoyer des petites vidéos blagues, hein, des lol, des photos qui sont marrantes. Non, 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 non. Il y a un petit peu de temps pour rire. On n'est pas en train de dire que c'est interdit de rigoler, absolument pas, mais concentre-toi sur la vie après la mort. Assallah subhanahu wa ta'ala yanfa'ni bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Hadha ma a'lam wallahu 'azza wa jalla a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya rabb inna nas'aluka an taj'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ya rabbana fina wa la min baynina shaqiyan wa la mahruma. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شر عبادك سلمنا واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم يا رب نسألك أن تثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فيسر له كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاشغله بنفسه. اللهم استخدمنا دائما وأبدا لدينك. اللهم استخدمنا دائما وأبدا لدينك. اللهم استخدمنا دائما وأبدا لدينك. اللهم أخرج الدنيا من قلوبنا واجعلها تحت أقدامنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم يا رب اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اجعل بنات المسلمين كاسيات غير عاريات. اللهم زينهن بالستر والعفاف. اللهم زينهن بالحجاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.